Bonjour, donc aujourd'hui je vous présente Monsieur Wolf, qui est un jeu de mémoire et coopératif de 1 à 4 joueurs et à partir de 4 ans. Donc à l'intérieur de la boîte, vous allez trouver le plateau, comme ceci, 4 petites maisonnettes, des cartes de jeu, des jetons, un loup et bien sûr les règles. Donc pour jouer, on met le plateau de jeu, on met le loup, donc Monsieur Wolf, sur son côté du terrain, avec bien sûr le chemin de Monsieur Wolf devant lui. De ce côté-là, on va voir la prairie. En petit beige, on va voir la cour et bien sûr les quatre maisonnettes. Sur la quatre maisonnettes, on va mettre des petits cartons pour représenter les animaux qui vont être dans la maisonnette. Sur les jetons, on va avoir plusieurs animaux, donc un canard, un poussin, une poule, une vache, un taureau ou un cochon, et bien sûr un loup. Donc le but du jeu, c'est que vu que c'est un jeu de mémoire, on va mettre les jetons dans la prairie et il va falloir retourner les jetons. Une fois que je retourne un jeton, si c'est un loup, je fais avancer le loup sur son chemin. Par contre, si c'est un animal, donc ici le canard, si sur mes maisons j'ai un canard, je peux le mettre dans la maison. Bien sûr, si j'ai un deuxième canard, je vais le mettre dans la cour, parce que je vais mettre qu'un canard dans une maison. Une fois que j'ai rempli mes maisons avec mes animaux, je peux dire stop, et là on vérifie. À l'intérieur, il faut qu'il y ait bien sûr les deux animaux qui sont sur la carte. S'il y a un animal en moins ou en plus, la partie est perdue. Si par contre vous avez bien les deux animaux dans la maison, la partie est dans chaque maison, la partie est gagnée. Si malheureusement Monsieur Wolf vient jusque dans la prairie, la partie est gagnée par Monsieur Wolf.